Hells Angels. Yes. Salut à tous, aujourd'hui on se trouve du côté de Gironde, en haut du col d'Hells Angels. On va faire un petit tour de gravel avec mes potos, tous les présentateurs des chaînes GCN. On va rejoindre les ambassadeurs Komoot pour en savoir un peu plus sur la sortie d'aujourd'hui. Je crois qu'ils nous réservent quelques surprises. Donc on est parti ou pas? Oui, bien. Ouais. Allez. Ils n'ont rien compris, mais c'est pas grave. Hello! Salut! Et alors, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi? Plutôt bien, t'as vu, moi j'arrive, je suis en forme. T'es chaud? T'es chaud, mon gars? Je suis chaud patate, on va dire, on va faire du gravel, je suis chaud, on y va. Ouais, bah aujourd'hui, j'espère que t'es bien équipé, on va faire une sorte de, d'aller 4 gravel. Ok, cool. Y a beaucoup de kilomètres ou pas? C'est à nous de planifier le parcours. Ouais, ah, j'ai pas envie de te faire peur, mais j'espère que t'as bien dormi. Bon, c'est ça le problème, j'ai pas beaucoup dormi. Poto Yoyo, il a renflé toute la nuit. Bon, du coup, on fait nous-mêmes le parcours. Ouais, allez. En fait, le truc, ouais, on a prévu ce qu'on appelle les incontournables. Ouais. Donc là, dans le coin, il y en a pas mal, parce qu'on est dans une région où le vélo, c'est une religion. Ouais, c'est vrai. Et donc là, on va t'emmener, dans des bons spots. Ah, c'est cool. Bon, je vais du coup dans mon appli, on est d'accord. Jusque là, c'est facile. Planifier. Et là, en fait, tu vas avoir tous les incontournables qu'on t'a préparé pour faire le ride. Ok, donc faut que je les mette du coup. Ouais. Mes lieux enregistrés. Voilà, ils apparaissent. Ok. Et tu as juste à faire ton itinéraire en les reliant un par un. Voilà. Ok. Tu cliques dessus. Il clique. Définir destination. Voilà, et tu fais ça pour chaque incontournable. Et là, je les enchaîne. Et ça va te faire une belle boucle gravel. Et est-ce qu'il y a des choses à penser sur la route ou quoi? Il va y avoir des petits défis sur la route. Ah, ça me plaît. Là, tu commences à me plaire, Nathalie. Attention. Il va falloir qu'on trouve de l'eau. Ah. Parce que moi, je suis parti ce matin, j'ai pris un bidon, mais il est vide. Ah, et moi, j'ai pas pris de bidon. Enfin, j'ai pas de bidon déjà. Sans qu'on est... on est au top là. On est on sent les mecs pas, qui sont j'ai pris 2 litres. Voilà. Oh, mais ça va. Pour 20 km, ça devrait aller. Ah, il y a 20 km. Oh, ça va. Eh, franchement, moi, je bois pas sur 20 km. Bon, j'enchaîne tous mes petits points du coup, déjà. Et après, il faudrait que je trouve une fontaine. Mais après, ouais, faudrait que tu retrouves une fontaine. Il n'y a pas le droit de retourner sur le même chemin. Donc là, il faut trouver un autre passage pour revenir, je pense. Ah ouais, là je fais... Ah, sur la fin, là. Là, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et il me fait faire une boucle ici. Tu pars de la fin, là, c'est pareil. Ici? Ouais, aussi. Mais même là, il faut pas faire de boucle, ouais. Bon, ça se nettoie. Non, mais ça, tac, tac. Regarde, hop, là, c'est bon. Là. Ça vous va? Ça nickel. Va. Allez, on est parti. Go. Bon, vous m'avez préparé un bon petit parcours, hein. Pour l'instant on se régale. Hein. Ouais, ça se passe bien au gravel, Jérôme. Ouais, bah, en vrai là, le petit mont Hells Angels, il nous fait plaisir. Il y a quelques parties un peu VTT quand même, hein. ça t'avance. Ouais, hein, c'est pas toujours super lisse. Hein. Ouais, c'est pas toujours super lisse, mais en même temps, c'est pour ça que c'est drôle. Ah ouais. Bon, et si on se faisait une petite course là dans la descente? Dans la descente? Ouais. Je préfère dans la montée, moi. Allez. Bon Lolo, t'as pas tout dit, mais on va pas faire que rouler aujourd'hui. Ah bah il me semblait bien, parce que de toute façon là on est venu avec tous les présentateurs de toutes les chaînes. Ouais. Vous me doutez bien que les mecs avaient pas fait le déplacement pour rien. Il y a des petites surprises. Bon, raconte-moi. Du coup c'est pas vraiment une trace, c'est une allée 4. C'est une allée 4 gravel. Ouais. Et qui dit allée 4 dit forcément des petits défis. Ok, donc déjà, premier défi. Faire une photo. Au Mirador del Capelana.
Ok. Capellana. Capellana. Alors ça c'est Capellana. Non, on n'est pas en Italie, c'est... on est en Espagne. Sergio, il sera fier de nous. Capellana. Au point le plus pentu aussi. Ah, le plus raide, ok. Ouais. Et est-ce que t'as pris des sacoches? Non. Ah merde. Pourquoi? Parce qu'on va devoir, on va te faire ramener des trucs aussi. Ah ouais? Ah ouais? Oh là là. Bah déjà, on ramène Yo-Yo, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on doit ramener des déchets. Voilà, on a déjà notre déchet pour la journée. On part avec de l'avance. Non, ouais, on va nettoyer un petit peu. Hein. Si on voit des déchets, on les ramasse. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on ramène d'autre? Un rocher, un tronc d'arbre. On va ramener un bon gros tronc d'arbre, comme ça on sera sûr qu'on est tout. Et bon, caillou, pareil. Comme t'as pas de, sacoche, tu peux ramener un caillou et une branche. Ouais, bon, on va trouver, t'inquiète. Ouais, de la place, on en trouvera toujours. Une fois, faire un effort. Non, mais t'inquiète, je vais démonter une gaine là. Ouais. Hop, je vais me faire un petit truc bandoulière et je vais porter le bois comme ça. Bah, nickel. Bah, ouais. Et puis je ramènerai le vélo à mon pote au Flo, tu vois, qui me fera l'entretien dessus comme d'hab. Il va être ravi, je pense. Ouais. Bah, surtout qu'il a déjà du mal à gonfler un pneu. Alors, il y a du level. On est reparti? Allez. Allez. Notre déchet, on l'a trouvé. Les gens sont vraiment dégueux. Vous voyez, il n'y aura pas la place pour plusieurs. Pas mal ça hein? Ouais. C'est le castel de Palagrette. Ah. Hop hop hop. Ça fait partie des petits incontournables qu'on t'a mis sur la route. Ah cool. Et du coup, ça a une histoire ça ou pas? Bah ouais, mais je la connais pas. Un peu quand même, non? Un petit peu. Moi je sais que c'est depuis 1902. Je crois que c'est 912 hein. Je crois que t'as rajouté un millénaire là. Non, 902. Ah ouais, pourquoi c'est en ruine comme ça là? Ah bah parce que... Ils ont pas entretenu les mecs. Ils ont pas fait le ménage. Pardon. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on va te demander, aller sur l'appli. Ouais. Et ça, c'est un incontournable et tu vas laisser un petit conseil. Ok. Bah. Comme ça, quand les gens viennent là, ils peuvent voir. Ok, Loïc Chetou nous a conseillé de faire ça. Bah déjà, quand vous allez rentrer, il y a la salle à manger à droite. Ensuite, je pense que c'est les toilettes, ça. Non. Ça, c'est la cuisine. Ah, ça c'est la cuisine. Ouais. Et ah, c'est sympa ce petit voûte là. On va voir. Du coup, Loïc, qu'est-ce que tu conseillerais aux utilisateurs de Komoot sur cet endroit? Bah écoute, déjà c'est un point d'intérêt Komoot, donc c'est qu'il y a une certaine attractivité autour de ça. Mais on passe sur la piste, tant qu'à faire, autant s'arrêter et venir visiter, surtout que c'est plutôt pas mal agencé. C'est fabriqué avec du moellon de 26. Hein. Je pense que c'est pas peut-être tombé en plus. Ah ouais, et puis il y a une très jolie vue d'en haut. Donc ouais, venez visiter la Casa des Papets. Belle voûte. Je vous conseille de faire une offre parce que ça part vite dans le coin. Et attendez-moi, je vais laisser un petit avis avant quand même. J'ai été assez mouillé pour aujourd'hui, merci. Oh, ça va. Allez.
gravel, c'est pas cool là, faut porter le vélo. Bah là, je pense qu'on peut se faire un petit selfie. Hein. Ouais. On c'est largement bien. L'endroit le plus raide. C'est clair. On est où? Oh Ah, attends, Nathalie, c'est bon. Nathalie. Ouais, c'est bon, on est là. Allez. Ça va, jeu. On a dit gravel ou VTT? Ouais, bon, là, c'est un peu randonnée, quoi. Oh putain. La dernière fois qu'on a fait ça avec Florian, je l'ai insulté de tous les noms. C'est pas grave, je sens ça. Allez, ça roule. On a tout mec. On a pas fini. Une broche. Un caillou. Et un déchet. Et un gros déchet. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ça va être suffisant comme good déchet. Job. Allez, bien joué les enfants. Bon Loïc, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, mais j'en ai quand même bien chié. Vous êtes en cadre les deux là. J'ai ramassé. En vrai, j'ai ramassé. C'était pas long, mais c'était très intense. En ouais, c'était pentu, ouais. En même temps, on a fait pas mal de dénivelé, je pense. Nathalie, elle a envoyé. Hein. Ouais, Nathalie était forte. Ouais. Elle était très forte. Pas autant que Sofiane. Hein. Ouais, c'est parce que j'arrive de Colombie. Voilà, hein. Ah, il a la soquette légère, le jeune. C'est pour ça. Bon, nous, on a plus le même niveau. Bon, en tout cas, on a tout accompli. On a ramené notre bout de bois, on a ramené notre caillou. La poubelle. On n'a pas fait les choses à moitié. Non, non, on fait jamais les choses à moitié. Mmh. Ça, c'est du sel en français. Mmh. Tu remarqueras qu'on fait jamais les choses à moitié. Oh, là, là. On a les meilleures photos. On a les plus belles photos, mmh. Je pense. Qu'est-ce qu'on a validé? Le parcours, à peu près. Le parcours. L'histoire ne dira pas qu'on a repris 2-3 fois les mêmes routes, mais c'est pas grave. Non, l'histoire. L'histoire est bonne. L'histoire est belle. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir un peu plus Komoot. À travers ce ride, je pense qu'on s'est bien régalé, on va bien dormir ce soir. Ouais, je pense aussi. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonheur, de plaisir sur votre vélo et vos futures aventures, ni plus ni moins. Merci. Nathalie, force et honneur. Sofiane, force et honneur. Force. Toujours. Et puis bisous à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode JCL en français, un peu pas trop commun, on va dire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, j'espère, avec le poteau Flo cette fois et le poteau Yo-Yo toujours derrière la caméra. Allez, ciao. Tchuss. Salut.